Bonjour, vous êtes en forme aujourd'hui? Vous êtes en forme pour ce défi? Un défi de prise de conscience. Oui, un défi de prise de conscience. Eh bien, le mot d'aujourd'hui pour la prise de conscience, ça va être, il faut être lucide. Le mot lucidité. Soyez lucide et prenez conscience, comme dirait Epstein. Qu'est-ce qu'il disait Epstein? Il faudrait être fou de penser que tout va changer si on ne change rien dans notre vie. Alors, qu'est-ce que vous auriez à changer dans votre vie? Qu'est-ce que vous auriez à dire? Ça, je vais l'améliorer, je vais le changer. Ça ne sera plus pareil. Ça, il faut vraiment que ça change. Qu'est-ce que je mets en action pour que ça change? Parce que le changement n'est pas quelque chose de facile. Alors, soyez lucide et dites-vous, rien ne changera si je ne change rien. Voilà. Et puis, bien sûr, vous avez des actions à faire aujourd'hui. 3 petites choses à faire. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Notez-le. Et puis ce soir, félicitez-vous pour ce que vous allez réaliser, parce que quand c'est noté, c'est plus facile. Vous n'allez pas vous dire, tiens, qu'est-ce que je fais maintenant? Non, vous l'aurez écrit, alors vous regardez et vous faites ce que vous avez écrit. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Et puis, ça va vous encourager surtout à avancer. Alors, surtout le plus important, eh bien, faites au mieux, à votre rythme. Et ce soir, pensez à vous féliciter. Très important de se féliciter, c'est encourageant et c'est nécessaire pour aller bien. Et puis avoir de la bienveillance pour soi, on n'en a jamais assez. Alors félicitez-vous et je vous dis surtout à très bientôt, à notre prochain défi, ou alors sur mon site coaching-confiance.com. Au revoir.